pendant un petit bout de temps. Boban qui a l'air de vouloir le tirer. Je vous disais qu'il en avait déjà marqué en Coupe de Yougoslavie. Il enroule énormément ses balles, il l'a travaillé hier. Et il le fait, il en a poteau. Un poteau partout et c'est le même que celui de Coquart tout à l'heure. C'est pas fini avec l'échec. Ballon suivi et à côté, au poteau et but. Oh là 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 là, but marqué par le Dynamo de Zagreb après deux poteaux et un but de Schuker. Incroyable concours de circonstances qui pousse l'entraîneur Kouzé à rentrer sur le terrain. Incroyable concours de circonstances car on va revoir cette action assez incroyable. Le coup franc de Boban, magnifique, balle parfaitement enroulée. La balle sur le montant de Martini qui était battu. À ce moment-là, il y a un nouveau tir, on ne le voit pas peut-être. Il se tire, le voilà. Il va être dévié par un défenseur yougoslave. Martini est surpris. Nouvelle reprise, cette fois c'est Bessek et Schuker a encore suivi. Incroyable but yougoslave. Après deux tirs sur le poteau, un arrêt fabuleux parce que de Martini car il y avait une balle déviée par un défenseur auxerrois. Eh bien ça n'a pas empêché Zagreb.